Salutations, c'est Reva, on se retrouve sur Star Wars The Old Republic. On va faire une petite série de vidéos sur les compétences d'équipage. Et oui, les compétences d'équipage, c'est quelque chose de très important dans SOTOR. Et donc, il y aura une série de vidéos sur toutes les compétences d'équipage. Ce ne sera pas juste une vidéo où on va parler de toutes les compétences d'équipage d'un seul coup, sinon ça risque d'être un petit peu long. Donc ce sera des courtes vidéos sur chacune des compétences d'équipage, histoire que vous puissiez bien les comprendre et surtout comment les monter, etc. Les objets à crafter, parce que bah, forcément il y a des trucs qui ne servent à rien, donc voilà, je suis surtout là pour vous expliquer ce qu'il faut crafter, comment ça marche. Je vous conseille aussi, parce qu'il y a la compétence principale et les deux sous-compétences pour récupérer les matériaux que vous aurez besoin. Et donc tout ça, je vais vous expliquer dans la série qu'il va y avoir hein, sur les compétences d'équipage. Donc du coup, je t'invite à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu si tu aimes la vidéo. Et surtout d'activer la petite cloche si tu n'aimes pas louper les prochaines vidéos sur SOTOR. Et surtout, bah, si tu veux pas louper les prochaines vidéos sur les compétences d'équipage, bien sûr. Et on se retrouve du coup bah, sur la flotte, hein, parce que tout va se passer sur la flotte. Et allez, c'est parti. Nous sommes sur la flotte et nous allons voir ensemble déjà pour commencer la fabrication d'armes. Et oui, donc la fabrication d'armes, ça va vous permettre, surtout à la fin, hein, donc ça ne sert à rien de se dire « Ah, bah, je vais crafter un fusil blaster, ah, j'ai crafté des fusils à lunettes », ne craftez jamais ça. Hein. Ce qui va vous intéresser, donc là je vais déjà commencer par ce qui va vous intéresser une fois niveau max, et surtout ce qui va vous intéresser en fait tout au long des compétences d'équipage, surtout pour la fabrication d'armes. Donc ça va être les forteresses et conquêtes. Vous risquerez sûrement d'en avoir besoin pour les projets obscurs type 1, les préfabriqués pour avoir certaines décos, les réserves militaires pour pouvoir échanger, enfin surtout pour pouvoir en fait faire des projets obscurs type 1, etc. Et je crois qu'on peut s'en servir pour d'autres choses, mais ça, on va voir ça plus tard. Ensuite, on aura les composants d'assemblage qui va vous permettre, en fait, ça vous permet de bah, déjà crafter les améliots et les kits d'améliots. Donc, mais ça, on y reviendra juste après. Mais les composants d'assemblage vont surtout vous permettre de les monter, en fait, vos compétences d'équipage. En fait, du niveau 1 jusqu'au rang 700, vous allez principalement crafter les composants d'assemblage. Vous allez faire que ça. Crafter que ça. Jusqu'à maxer déjà niveau 600. Ensuite, débloquer en payant 500 000 crédits à votre entraîneur pour pouvoir débloquer du niveau 600 à 700. Et donc, pareil, ça marche de la même manière. Hein. Vous allez déverrouiller des nouveaux composants. Et donc, comme vous pouvez le voir, de toute manière, les composants, j'ai beau être niveau max, les violets et les bleus rapportent toujours des points. Même si ça sert à rien, je suis déjà maxé, donc ça ne rapporte plus de points, mais voilà, donc, si tu n'es pas maxé, ça rapporte toujours des points. Donc ça, faut toujours les crafter. De toute manière, c'est grâce aux composants d'assemblage. Je vais le dire dans chaque compétence équipage, dans chaque vidéo. Ça, faut crafter que ça. Faut crafter que ça pour maxer votre compétence d'équipage. Et ensuite, une fois niveau max, nous allons crafter principalement, je dis bien principalement parce que le reste ne nous intéresse pas spécialement, donc tout ce qui est armure, canon plutôt, les archives, tout ça, dans toutes ces daubes là, on ne crafte pas ça, on s'en fout complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout là-dedans. En fait, déjà, les kits d'amélioration, donc type 11, donc c'est le kit d'amélioration de niveau max, ça sert à rien de crafter les kits d'amélioration type 10, type 9, ça ne sert à rien. Il faut crafter les derniers et surtout, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de grand chose. C'est vraiment rien hein, ce qu'il demande. Ça, c'est des trucs que tu peux farmer très facilement, mais je vais t'expliquer de toute manière comment obtenir par exemple les clés d'intrusion, parce que t'as qu'à voir que c'est ce personnage là, je sais pas si tu connais peut-être un petit peu les compétences d'équipage, mais si tu ne connais pas, pour avoir les clés d'intrusion, il faut piratage. Et je ne l'ai pas. Donc il va falloir un autre personnage qui a piratage. Mais ça, de toute manière, j'y reviendrai juste après. Et nous avons les améliots. Donc les améliots, donc il y a une fois niveau max, donc il y a précision pour. Donc je parle pour fabrication d'armes. Précision et bouclier. Et aussi on a versatile aussi. Mais à vrai dire, on va surtout se
concentré sur bouclier et précision, parce que c'est ce qui est beaucoup recherché, surtout la précision, pour essayer de, si vous avez trop maxé le critique, d'essayer de mettre des améliorations pour avoir 110% de précision, parce que c'est ce qu'il faut, hein, pour faire les opérations, surtout à haut level, il faut 110 de précision, sinon vous ne ferez rien. Donc voilà, les améliaux, et pour les améliaux, il vous faut des stabilisateurs d'isotopes traités. Ça, comment on obtient? Et ben, tout simplement, vous avez qu'à lire la description, mais je vais quand même vous le dire, il faut faire les opérations, donc que ce soit en toutes les difficultés, et zone tigeuse. Voilà. Et ensuite, aussi dans les zones de guerre classées, mais bon, ça, généralement, tu fermes pas les zones de guerre classées pour avoir des isotopes traités. De toute manière, si tu fais des OP, des zones litigieuses, assez souvent, tu vas en avoir beaucoup. Tu vas en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent parce qu'ils ne craftent pas. Donc, il faut en profiter si tu as envie de crafter. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as potentiellement envie de crafter. Eh bien, en fait, vous allez en avoir assez souvent. Donc, il va falloir mettre besoin dans la zone litigieuse. Putain, mais il va fermer sa gueule, lui, là. Putain. Casse les couilles. Ça, c'est chiant, hein. Je vous le dis, ça, c'est très chiant, hein, sur la flotte. Bref, donc voilà, les stabilisateurs, vous en avez dans les EDEL et dans les OP, après les zones de guerre classées, vous ne faites pas ça pour ces stabilisateurs-là. Ensuite, on a les matrices de ressources solides. Ça s'obtient en faisant votre objectif personnel de conquête. Donc, c'est là-dedans, hein. Donc, vous allez dans journal et mission, vous allez dans conquête, et ensuite, tout en haut, il y a la petite barre de progression. Et vous avez 4 matrices de ressources solides à chaque fois que vous remplissez vos objectifs de conquête. Donc ça, si tu as pas mal de reroll, bon, si tu sais pas ce que ça veut dire reroll, si tu as d'autres personnages, tout simplement, tu peux faire ta progression au max sur chacun des personnages et avoir ces matrices de ressources solides. Et donc du coup, tu en as assez souvent, sachant que par rapport à ce que tu craftes en améliorant, tu vas pas en crafter 10 d'un coup, je te le dis, hein, tu vas peut-être en crafter une ou deux, parce que les brasiers légendaires, c'est ce qui est le plus chiant à avoir, parce que ça s'obtient, les brasiers légendaires, en décraftant, en détruisant en fait certains objets. Donc par exemple celui-là, cet objet-là, si je vais dans déconstruction, et que je peux le déconstruire, ça me le met là, je fais déconstruction, donc là ça c'est une pièce que je vais garder. Dans les récompenses, ça va vous mettre en fait dans les fragments de technologie aussi, ça vous donne ces petits objets là, plus de la ferraille, mais ça on s'en fout un petit peu, mais surtout de temps en temps, ça peut vous dropper un brasier légendaire. Donc ça va être une question de chance en fait. Donc plus t'as de stuff, plus tu farmes les EDL, les OP, etc., plus t'as de chance, déjà plus t'as de stuff à déconstruire, et plus t'auras de chance potentielle, tu m'as compris, plus de chance d'avoir le brasier légendaire. Je me mêle dans les mots, les phrases et tout, ça part en couille. Mais voilà, donc les brasiers légendaires, voilà comment faut faire pour les avoir. Donc c'est un petit peu chiant, sinon tu peux les acheter directement sur la flotte. Sur la flotte, sur le marché galactique, tu peux directement les acheter pour un prix. Je vais pas dire le prix exact, mais ça va, c'est pas cher par rapport à ce que tu vas te faire en vendant une améliore. Surtout si t'as un crit, c'est ultra rentable, donc t'inquiète pas. Hein, limite, tu peux acheter des packs de 5 et crafter derrière, c'est rentable, hein, de toute manière. Si t'en craftes une, c'est déjà rentable, donc si t'as un crit derrière, c'est que du bonheur. Donc voilà, donc les améliots, donc pour fabrication d'armes, voilà, c'est les améliots et les kits d'amélioration type 11, et dans chacune des compétences d'équipage, de toute manière, t'as les préfabriqués universels type 4, projet obscur type 1, tout ça, donc ça, tu retrouves ça souvent, mais de toute manière, tu vas vraiment te concentrer sur les kits d'amélioration et les améliorations, de toute manière, c'est vraiment le truc, si t'as envie d'avoir le stuff max, vraiment full maxé, hein, c'est-à-dire full amélioration, il faut, faut passer par la manière. Sinon après tu peux acheter les améliots directement, mais t'as intérêt d'avoir des sous, hein, parce que une amélio ça coûte cher. Eh oui, ça coûte cher. Eh oui, je te dis pas le prix exact, hein, mais ça coûte cher. Voilà. Donc on va terminer là-dessus. Pour fabrication d'armes, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc je vais prendre pour exemple une amélio, comme je l'ai montré juste avant. On a besoin de ces composants-là, hein, composants d'assemblage d'armes en uranium artefact et recherche d'Alorian.
artefacts. Donc, pour les crafter, on a besoin de blindage en uranium artefact. Donc ça, c'est farmable sur Onderon ou Mekcha avec la compétence d'équipage récupération. Donc récupération, il faut l'avoir absolument. De toute manière, si tu as fabrication d'armure cybernétique, de toute manière on verra ça dans d'autres vidéos, tu as besoin de récupération. Ça c'est de base, et après tu as la dernière compétence où il faut avoir investigation et piratage. Sur ce perso là j'ai investigation, mais sur un autre personnage j'ai piratage. Piratage c'est très très utile, c'est très 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 utile. Et on a besoin aussi de l'acier, hein, acier trempé, artefact, pareil c'est des composés de récup. Ensuite ici ça change, on a besoin de clés d'intrusion artefact et ensuite des composés de recherche. Donc ça, les composés de recherche, vous en obtenez via investigation. Ça, c'est pièce d'Alorienne, tu as besoin de investigation. Et ensuite, clés d'intrusion, tu as besoin de piratage. Donc ça, c'est des compétences que tu as en plus quand tu as ta compétence principale. Parce que oui, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il faut vraiment bien choisir les bonnes compétences qui vont avec ta compétence principale. Voilà. Et ensuite, nous avons, par exemple, pour l'amélio, bah, les matrices ou ça. Enfin bref, voilà le reste des composants que je vous ai expliqué juste avant. Pour les kits d'amélioration type 11, on a besoin de pièces d'alorienne, de ces composants-là. Donc, on a besoin de matériaux de récup. On a besoin de l'investigation et de piratage. Ça fait pas mal de choses. Ça fait quand même 3 compétences d'un seul coup. Et donc je vais vous montrer les compétences d'équipage où elles sont. Donc là par exemple on a investigation ici. Donc voilà, donc je peux plus interagir avec lui hein, parce que va falloir aussi les maxer en rang 700. Hein. Il va falloir quelques millions hein, quand même hein, si tu veux avoir toutes les compétences au max. Et ensuite on a piratage ici. Donc ce que je vous conseille quand vous faites fabrication d'armes pour commencer, prenez investigation et récupération et sur un autre perso, de par exemple prendre fabrication d'armure et de prendre donc toujours récupération mais à la place d'investigation de prendre piratage. Piratage qui est l'une des compétences les plus utiles du jeu, surtout des sous-compétences. Pourquoi? Parce que piratage tout simplement vous permet d'envoyer donc vos pets, hein, vous pouvez envoyer vos pets hein, pour n'importe quelle sous-compétence, hein, vous pouvez les envoyer en mission. Sauf que piratage, vous, avec un peu de chance, vous obtiendrez d'autres missions. En fait, vous aurez comme une sorte de contrat, en fait. Et en fait, c'est des missions, ça vous indique hein, que c'est une mission de telle compétence. Donc forcément, hein, ça ne va pas vous donner des missions de piratage. Hein. Ça va vous donner des missions de récupération, d'investigation, etc. Donc c'est des missions en fait si vous avez déjà le niveau, parce que ça vous demande un niveau, hein, donc ça peut monter jusqu'à plus de 600 hein, quand vous avez des grosses missions, donc il faut vraiment les maxer les compétences. Et donc ces missions là, bah, vous avez des rendements de malade, hein, vous avez plein de matériaux de ouf, et surtout ça ne vous donne pas que des matériaux, ça vous donne de temps en temps des brasiers légendaires. Et oui, vous pouvez aussi en obtenir via ces missions-là que vous arriverez peut-être à dropper avec piratage. Bah, carrément, c'est trop bien, c'est trop bien. Par contre, c'est des missions qui durent un peu plus longtemps. Comme là, vous pouvez le voir, ça dure donc 13 minutes avec un pet d'influence 50. Donc pareil, hein, l'influence, faut l'augmenter à fond hein, sur vos partenaires. Mais ça, il y aura sûrement une vidéo pour expliquer un petit peu l'influence, à quoi ça sert, etc. Mais ça dure 13 minutes, une mission basique, hein, voilà. Mission déjà de difficulté la plus max, hein, donc les difficultés c'est au niveau de la couleur. Hein. Quand c'est gris c'est easy, ça rapporte pas grand chose. Vert, c'est voilà tranquille, mais ça rapporte pas non plus des masses. En jaune, tu commences à dropper des trucs assez sympas, mais c'est plus dur. Et orange pour les missions un peu plus compliquées, mais avec du rendement prolifique, hein, comme tu peux le voir. Rendement, faut regarder ça. Hein, prolifique, c'est ce qui est presque le top. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura à peu près aidé pour fabrication d'armes. Hein. Donc je te dis, ça va être principalement dans amélioration, forteresse et conquête et composants d'assemblage. Le reste, tu t'en fous complètement, ça ne sert à rien.
Hein, c'est vraiment une perte de temps. Parce que le stuff, tu en obtiens via les ZL, via les OP, via les héroïques, si tu n'es pas niveau max, etc. Donc clairement, le stuff, ça ne sert à rien de le crafter. Vaut mieux crafter les amélios, les trucs de conquête, etc. C'est carrément mieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et oui, hein, c'est des vidéos assez courtes, mais quand même, plus de 10 minutes quand même, hein. Je pensais que ça allait faire beaucoup moins, mais de toute manière, là c'était vraiment une vidéo pour poser un peu les bases, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses à expliquer, mais dans les prochaines vidéos, il y aura moins de choses à expliquer, vu que j'ai quand même parlé, je vais pas à chaque fois répéter les mêmes choses, ça deviendrait un petit peu chiant. Bon, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine, hein. N'hésite pas à t'abonner, forcément, à mettre la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos qu'il y aura sur Sotor et les autres jeux, hein, forcément, et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et t'a aidé, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as besoin de d'autres infos sur le jeu, je répondrai à tes questions, il n'y a aucun souci. Allez, on se retrouve d'ici là pour une prochaine, c'était Reva, ciao.